Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Cette rencontre annuelle du comité régional a regroupé les ministres de la santé publique des 47 États membres de la région africaine, dont Aziz Mamasali. Cette réunion constitue la plus haute instance de l'organe des directeurs de l'OMS sur le continent. En toile de fond de ces assises, les examens du rapport intérimaire sur la mise en œuvre du programme de transformation du secrétariat de l'OMS dans la région africaine 2015-2020, du rapport sur les efforts de mobilisation des ressources des partenaires afin de soutenir les États membres, du projet de stratégie mondiale sur la santé de l'environnement climatique ainsi que le document sur la garantie d'un financement durable de la couverture maladie universelle en Afrique, l'évolution des facteurs économiques mondiaux et locaux, les cadres pour la certification de l'éradication de la poliomyélite et le contrôle du choléra, ainsi que la flambée des maladies à virus Ebola en République démocratique du Congo, n'ont pas été perdus de vue. Nous avons un problème donné dans le pays. Tant qu'on ne règle pas, la population cible sur un certain nombre de maladies est faussée, et donc les résultats le sont aussi. Je crois que l'appui fondamental doit être sur cette question de données et de renforcement du système de santé. La réforme, elle est en cours, je crois qu'elle est importante, et je crois qu'il faut plus de redevabilité au niveau de tout le partenariat. Ces assises ont permis aux participants de passer en revue les projets réalisés par l'OMS pour l'Afrique. Les différents rapports examinés lors de cette réunion régionale ont fait montre les appuis multiformes des partenaires. À ce sujet, les États membres doivent faire un plaidoyer auprès de leurs pays respectifs pour une participation massive des chefs de l'État de la région à la réunion des Nations Unies sur la tuberculose et les maladies non transmissibles qui se déroulera du 26 au 27 septembre pour discuter sur les sujets relatifs à la santé en faveur de l'Afrique. Les sujets concernant les maladies non transmissibles ont été proposés à l'ordre du jour de la 69e session du comité régional de l'OMS qui s'éteindra du 26 au 30 août 2019 à Brazzaville, au Congo.